Salut à tous, c'est MadGeek. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel numéro 12 de ma série. Numéro 12 de ma série de tutoriels. Donc, on se retrouve pour le tutoriel les docs. Donc, je vais essayer de vous le faire le plus détaillé possible, mais sans aller dans chacun des docs comme j'avais voulu préparer la première fois. C'était un peu trop long, donc j'ai décidé de pas le faire. Donc, aujourd'hui, un tutoriel quand même assez long normalement en perspective. Donc je suis Mad Geek Avatar de Rima Park pour ceux qui commencent à regarder mes tutoriels. Donc j'espère que vous continuez, que vous les suivez, que ça vous aide dans votre quête de Fall Story. En tout cas, moi je suis très content parce que je m'attendais pas à qu'il soit si suivi, environ jusqu'à 300 vues par tutoriel. Donc ça me fait plaisir de savoir que je peux aider des gens à s'améliorer dans le jeu. C'est quand même mon but principal. Hop, je nous remets tous les trucs. Donc on est toujours sur le patch 4.1 de Fall Story. Il y a eu quelques petites évolutions du jeu dans les docks notamment. Donc je vais y revenir quand même, je vais presser quelques trucs, mais on va commencer par expliquer qu'est-ce qu'est un dock. Pour d'abord placer un peu le tutoriel, parce que depuis tout à l'heure je parle de dock, mais si vous savez pas ce que c'est, ça va pas être pratique. Excusez-moi, un peu malade. Donc un dock, c'est donc une zone parallèle où vous pourrez, où vous aurez un bonus d'XP, où vous pourrez donc une zone parallèle où vous pourrez y rentrer par un TP avec un certain parchemin, où dedans vous aurez un bonus d'XP qui peut changer selon si on gagne la guerre de dock, mais ça je vous expliquerai une fois dans le dock. Voilà, donc on gagne un bonus d'XP contrairement aux zones extérieures, enfin par rapport aux zones extérieures. Les mobs sont souvent plus nombreux et plus agressifs et ripop plus vite. Donc je vais, le petit inconvénient en fait des docks, c'est qu'il y a les valos, donc enfin les valos ou des derrière. En fait il y a les deux factions se retrouvent dans le dock, donc il y aura donc vos ennemis qui pourraient entraîner des batailles pour des zones d'XP et en fait vous empêcher l'XP. Donc il faut savoir que maintenant avec la mise à jour, les sauts commencent à être beaucoup plus viables que les docks. À l'époque je vous aurais conseillé de pexer dans les docks, mais bon. Le gros avantage que vous avez à pexer dans les docks, c'est la vitesse. Mais si vous n'avez pas de stuff, vous pouvez pas, vous n'êtes pas capable de combattre les valos qui vont vous, enfin les ennemis qui vont vous tomber dessus, c'est pas vraiment la peine. Donc il faut savoir que des docks, il y en a toutes les échelles de 10 levels. Donc doc 10, donc c'est le doc du 10 à 20. Doc 20 de 20 à 30, etc. Jusqu'au doc 90 qui va de 90 à 93. Petite exception pour le doc 80 qui va jusqu'à 93 aussi. Voilà, donc dans un doc il s'y passe beaucoup de choses. Donc je vais vous expliquer à peu près, je vais vous montrer donc en exemple un doc. Donc le montagne du Colossus, j'ai des parchemins pour ça. Ah oui, attends. Donc c'est pour ceux qui sont Marcutiens, enfin pour ceux qui sont Derion, ça sera ce TP là. Et pour ceux qui seront pour ceux qui seront Valo, Aketer, c'est le TP qui se situe normalement. Attendez, alors hop. Excusez-moi, j'ai toujours du mal. Voilà, qui se situe ici. Voilà, donc ce TP se situera là. Donc on est parti, on va rentrer dans le dock grâce à un parchemin. Les parchemins, vous pouvez les acheter avec les PNJ à côté. Donc moi c'est celui-là pour les acheter avec les points de développement. Non, je veux pas jeter mon bouclier. Et celui-là pour avec de l'argent. Donc voilà, ça ressemble à ça, un dock. Moi j'en ai déjà, ils sont ici. Donc attendez, je réponds juste à un mec. Hop, je suis en vidéo. Les mecs, même plus. Putain. Oh putain, j'ai oublié de mettre. Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le... Enfin, je sais pas trop comment vous le démontrer. Bon, bref, vous avez un bonus d'XP. Le bonus d'XP, je sais plus du tout de combien il est, mais bon. En tout cas, il est quand même assez important. Comme vous pouvez voir ici, vous avez un spawn, vous avez des gardes pour éviter de vous faire chain kill, même si ça arrive quand même des fois. Vous avez donc des TP qui ne sont pas géolocalisés dans la région normale. Donc vous avez donc le TP là qui est devant moi. Vous avez donc les zones que vous pouvez retrouver sur la map avec là plus de mobs, enfin répartis différemment du moins, avec donc plus d'XP à prendre dessus.
Et des fois les levels changent. Pas tout le temps, mais en grande majorité. Donc vous avez par doc, le nombre de zones peut dépendre. Ça peut changer, mais en général, il y a quand même beaucoup. Il y a quand même en dehors du doc 10 où il y en a qu'une seule, il y a quand même minimum 3-4 zones. Faut pas déconner. À part le doc 40 qui est le doc de merde. Normalement, les restes du doc seront quand même. Il y aura quand même pas mal de zones. Donc là, vous avez les différents maps d'XP habituels avec des aggros. Donc après, à vous de vous adapter selon votre level et tout ça, ou là où vous serez le mieux. Et donc petit TP différent des autres, c'est la zone de mission. Zone de mission, c'est là où se passe en fait votre guerre de doc. La guerre de doc, c'est celle qui permet d'avoir des merde, qui permet d'avoir des boosts d'XP en plus. Et pour ça, il faut tuer le SP ennemi. Les guerres durent 30 minutes. Si vous êtes dans un doc, par exemple, doc 10, 30 et tout ça, tous ceux qui commencent par un chiffre impair, vous êtes dans les docks impairs et donc vos horaires seront impairs. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc horaire impair, 11h, 13h, 15h et tout ça. Si vous êtes dans un doc pair, donc 20, 40 et tout ça, vous serez donc dans un doc pair et vos horaires seront donc midi, 2h et voilà. Donc les guerres de doc durent 30 minutes, elles commencent donc à 2h, par exemple pour ce doc, pour le doc où je suis, on va dire, elles commencent à 1h et elles finissent à 1h30. Voilà, et ça toutes les heures, donc elles durent 30 minutes. Si aucune des factions ne tue un SP, la région redevient neutre et aucune des factions profite du bonus XP. Et si votre faction perd, vous ne profitez pas du bonus XP. Si votre faction gagne, vous en profiterez. Voilà, donc les SP les SP ont des gardes, leur vie varie selon les docks. Bon, je pense que j'ai été assez clair sur ce qui est un doc quand même en gros. Maintenant j'ai essayé de détailler un peu, mais je vais pas rester ici, ça sert à rien. Hop, donc vous avez un TP hein, pour rentrer là-bas, enfin un TP pour rentrer dans votre capitale et les TP pour vous balader sur les zones. Content que même s'il y a des TP, vous pouvez quand même faire le tour de la map et vous pouvez quand même vous aller jusqu'au spawn ennemi. Voilà, je pense que j'ai été totalement clair. Hop, vas-y, on repart à Marcus. Donc, je vais essayer maintenant en faisant carte par carte de vous présenter chacun des docks, et juste carte par carte. Donc le doc 10 que dans la vidéo d'XP vous avez pu voir que je vous ai déconseillé. Alors malgré que les aggros ont augmenté, il est toujours pas assez rentable par rapport aux sauts. Enfin justement les sauts ont augmenté aussi, donc le doc 10 est vraiment plus rentable. Le doc 10 il se passe donc à Yezod. C'est un doc 10, c'est un doc qui ne se passe pas sur la totalité de la région, c'est-à-dire il y a des parties atrophiées. Toute la partie avant Sarnis, donc ici comme ça, c'est coupé. Et toute la partie après la ville de Yharth, c'est coupé. Donc ça fait, ça se limite à un petit tour comme ça là. Et comme zone, vous avez que la gorge des soldats, le bosquet saint et la forêt verdoyante. Et Elixir Est. Et pas le reste d'Elixir. Le doc 20, donc le doc 20 il se passe à Terrat, qui est une région Valo, où là vous disposez de tout le doc. C'est un doc assez intéressant dans le sens où il y a pas mal de zones XP, donc vous avez l'hôtel rouge, le portail de l'hôtel, qui sont à des zones, enfin toutes les zones sont ouvertes, hein, mais celles qui sont accessibles par le TP. Les plus rentables seront donc quand vous arrivez, ce sera le champ détruit de Rekman. Au portail de Un portail d'Arendrod, vous pouvez aussi trouver de quoi. Ouais, voilà, ça c'est tout. Non, la dernière forteresse, moi je vous la conseille pas. Après, le doc suivant, le doc 30, se passe à Nezak, région des rayons. Ça, c'est un doc qui est quasiment complet dans la région. Ou alors, enfin, et là, toutes les zones sont rentables. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 zones, sans compter les zones de mission, donc il y a trois grandes zones d'XP, ce qui peut créer beaucoup de batailles en fait entre Derion et Valo, et qui peut vous inciter à faire les docks. Pour savoir doc ou pas, je vous conseille de regarder le tutoriel comment bien XP. Voilà, pour faire plus court. Le doc 40 est la région de Hod à Derion. Donc Hod, enfin le doc 40 qui est vraiment le pire des docks, je vous le déconseille encore fortement. Donc c'est vrai que je conseille pas vraiment des docks, mais parce qu'en fait il n'y a que le crépuscule des esprits comme zone pexable et la forêt de Todsnaro. Les autres ce sont des maps qui aggro de loin, c'est pas agréable, c'est pas pratique.
Ah bon, moi je vous le conseille pas. Le Doc 50, il se passe toujours à Derion et ça serait c'est Chikunteroga. Très bon doc, hein, ça je vous le conseille par contre. La dernière forteresse des elfes sombres qui peut être un endroit très rentable si on sait faire les agros. Terrefold qui est la plus grande zone XP que vous pourrez trouver dans un doc. La clairière pour quand vous arrivez dedans. Le triangle très rentable dans le level 50 à 51-52. Ouais, donc ça c'est un bon doc, ça évitez de le louper trop parce qu'il peut vraiment vous faire gagner du temps. Doc 60, on retourne à Valo avec bonne Cléa, avec Blonéa, je veux dire. Donc Blonéa, enfin le doc 60, doc très rentable, beaucoup de PVP en plus. Et l'ambiance est agréable. Là pareil, vous avez le territoire sombre en fait, qui est une énorme zone d'XP avec beaucoup d'aggro. Rentable en plus, c'est très rentable les mobs. Vous avez aussi la forêt des illusions qui peut être pas mal et pâturage abandonné, je vous le déconseille. Ici, là, il y a le spawn Valo et le spawn Derion. Enfin, le spawn Derion, oui. Il est là-haut, voilà. À Dereli. Doc 70, on se retrouve au plateau donc. Au plateau qui est la région glaciale, que j'ai une région que j'adore aussi. Là, pareil, doc très rentable, beaucoup de zones XP différentes. Le truc, c'est que les mobs commencent à taper un peu fort, un peu comme dans le doc 60. Bon, c'est encore supportable, hein, mais il y a beaucoup de zones XP, il y a beaucoup de Valo, il y a beaucoup de PVP parce que les docs 60-70 sont ceux qui sont le plus animés par les rerolls. Enfin, je veux dire par les rerolls à haut niveau, c'est-à-dire le 50, vous n'avez pas encore croisé trop. 20, 10 et 30, il y a toujours beaucoup de rerolls. Et ouais voilà, 60-70. Les docks sont quand même en général un endroit à conflit. Et donc pour finir, le doc 80 qui se passe à Mirur. Et oui, parce que c'est que des régions des rayons. Enfin, Mirur est une région en fait pour Derion et Valo, située dans des rayons. Un jour, il faudra qu'on se batte pour la garder. Donc là, voilà, des donc là, c'est le doc par rapport au sous 80. Enfin, je sais pas. Ça, je serais pas trop vous répondre. Moi, j'ai pas du tout aimé le doc. Il y a quasiment personne qui l'a fait parce que les sauts, c'est quand même plus rentable. Après, voilà, c'est votre jugement personnel. Donc, j'espère que j'étais assez clair. J'ai fait quand même le tour. Faut savoir que quand même dans les docs, petite précision, il y a des champis qui pop. Je viens d'y penser là. Donc, les champis, c'est un petit bonus, un petit boss. Il faut trouver la zone et le tuer. Il pop toutes les 12 heures, donc c'est tranquille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les docks? Bah, toujours essayer d'aller aider votre faction si vous avez le level et que vous voyez qu'il y a des appels en tous pour les autres. Ouais, essayez d'Apex la nuit comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo du tuto bien XP. On veut dire que le jour ça reste assez violent. Ouais, bon, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, il me semble que j'ai fait le tour. J'espère que ce tutoriel sera complet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous remercie pour les vues, pour les plus de 200, 215 abonnés. Enfin, je vous remercie pour tout. J'essaie de mettre un peu plus de PVP et de. Par contre, je continuerai sur un peu de League of Legends parce que je commence à avoir un petit public là-dessus. Donc, j'essaye de satisfaire tout le monde. Prévenez-moi s'il y a des trucs particuliers que vous voulez en vidéo. Pour l'histoire des six dieux, je vais finir par essayer de raccrocher un peu toutes les ficelles pour essayer d'en faire un. Pour l'instant, ça reste compliqué, voilà. Je vous donnerai plus d'informations dès que je serai au montage du truc. Allez, salut à tous, c'était Maggie.